Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait l'inspection de la Flowhive. Bon visionnement à tous. Donc, on peut voir par le côté, par les petites fenêtres du côté de la Flowhive, que les abeilles ont déjà commencé à mettre du nectar dans les cadres flow. On va juste aller voir ça un petit peu. En même temps, je vais faire un peu de nettoyage. De l'entrecouvert. Allons voir où elles en sont rendues. On est capable de retirer un quart de flot. Ça va être très collé là. Je ne peux pas trop tirer. Elle semble travailler très fort. Ah. Vous voyez le cadre flow ici? Elles ont commencé à mettre du nectar dedans, à faire la cire et à mettre du nectar dedans, ce qui est très bien. On va les avertir qu'on s'en vient. Encore là, faire un peu de ménage. Nettoyer un petit peu. On va enlever les mauvaises constructions. On récupère la cire. Ça va aider à ajuster la grille reine en même temps.
On va voir où elles en sont rendues. Je regarde si j'ai des œufs en premier. Je vois pas d'œufs. Qu'est-ce que je vois? C'est du couvain operculé, donc du couvain avec un capuçon de cire dessus. Ensuite, de l'autre côté. Je regarde toujours si j'ai des œufs. Je ne vois pas d'œufs. Un peu de couvain operculé et du miel. Donc ici, c'est du miel. Ici, vous avez du couvain operculé. Ici, vous avez du miel. Couvain operculé, miel. On peut voir la différence facilement là, à l'œil nu. On continue notre inspection. Cadre de nectar et de miel. Cadre de nectar et de miel. Quelques faux bourdons. Elles ont l'air très réticentes à vouloir mettre du miel dans la hausse à miel de la Flowhive. Elles emmagasinent tout dans la deuxième chambre à couvain. Un autre cadre pour le miel, des deux côtés. Ah, ici, j'ai des larves. J'ai quelques larves ici. Pas beaucoup. Très peu. Ici, on a du couvain operculé et du miel. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Du nectar. Des larves. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir les larves.
un autre cadre plein de miel. Beaucoup de larves ici. Beaucoup de miel. En espérant qu'on va voir des œufs dans la première chambre à couvain parce que c'est pas très concluant comme c'est là. Un autre cadre de miel. Quelques larves. C'est une boîte qui va être très lourde à déplacer. Elle est presque exclusivement remplie de miel. Quelques larves dans le fond. Pas d'œufs. Non, malheureusement, pas d'œufs. Très décevant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de réserves de miel. Pas beaucoup de jeunes abeilles, pas d'œufs. Allons voir dans la première chambre à couvain maintenant. En espérant y trouver des œufs. Et c'est très pesant. Oh, très prometteur. Un cadre très léger, ce qui veut dire que c'est des jeunes abeilles qu'il y a dessus, des bébés abeilles. Il y a des larves. Du couvain operculé, beaucoup de couvain. Je vois pas d'œufs. Je vois des jeunes larves. C'est quand même bien. J'ai des œufs. J'ai des œufs ici. Donc, si j'ai des œufs, j'ai une reine qui pond. J'ai une reine pondeuse. C'est ce que je veux. La reine pourrait être très proche parce que j'ai des œufs ici.
J'ai des larves, j'ai des œufs, j'ai du couvain. J'ai de tout sur ce cadre-là. Couvain non operculé, couvain operculé. Des œufs, beaucoup d'œufs. Donc j'ai une reine pondeuse, je suis satisfait. Beaucoup de pollen et des œufs sur ce cadre-ci. Du pollen, des œufs, la du couvain operculé, la colonie se porte bien. Encore des œufs, des larves, du couvain perculé. Donc ça va bien de ce côté-ci. Beaucoup de couvain encore. Beaucoup de couvain sur ce côté-ci aussi.
Super. Une belle colonie en santé. Elles ont commencé à travailler dans la hausse flot. On les voit travailler par les trous. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Venez me visiter sur mon site web www.benchy001.ca et à la prochaine.